Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi aujourd'hui on est vous avez rendez-vous ici Donc aujourd'hui on a rendez-vous ici pour partir en classe de neige avec donc les écoles de Paul Vert et les écoles de Caudry. Et vous allez aller où? On va à Saint-Léger-les-Mélèzes, donc dans une station de ski à des Hautes Alpes. Et vous avez combien d'enfants avec vous En totalité, les enfants sont 125 à partir et il y aura une petite entre 10 et 20 enfants par animateur, par binôme d'animateurs. On est 21 animateurs à partir de Arthès. Et vous avez aujourd'hui un peu le track ou c'est la première fois que vous faites ou... Un petit peu parce que c'est toujours une certaine petite pression d'avoir autant d'enfants sous sa responsabilité, mais ça devrait bien se passer. Ça devient un petit peu la routine à force de travailler avec eux. Qu'est-ce qu'ils sont plus inquiets, les enfants ou les parents? Je pense que c'est dans un sens les deux, parce que les parents ça fait toujours un petit peu bizarre de voir partir ses enfants pendant 15 jours. Et un petit peu les enfants, savoir comment ça va se passer, avec qui ils vont être, comment ils vont skier, ce qu'ils vont faire de leur journée. C'est un peu trop dur ton départ? Non. T'es content de partir? Ouais. Et les parents sont contents aussi? Quand le bus partira, ça va être plus. Ça va être plus dur. Oui. We'll be right back.
Monsieur Guibricou, ça vous fait quoi aujourd'hui le départ à la neige? Ben, c'est toujours un moment émouvant, émouvant pour les parents et puis émouvant pour les élus. La ville de Caudry maintient les classes de neige, c'est un coût assez important, mais voir le bonheur dans les yeux des enfants, savoir qu'ils vont passer 8 jours merveilleux avec leurs enseignants, ben, ça nous réjouit tous. Dans cette période de morosité, on est très heureux de voir 4 bus et beaucoup d'enfants partir.